Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier Waka Découverte. Contrairement au Waka Jeu, les Waka Découvertes, ça va être des petites vidéos très rapides pour vous parler des jeux que l'on propose chez Waka Waka, mais dans un tout petit créneau où vous n'aurez pas les règles, mais juste voilà, quelques explications sur les jeux que j'ai envie de vous présenter. Donc cette semaine, j'ai publié sur ma page Facebook une photo du jeu Pandemic. Un jeu malheureusement d'actualité, Pandémie, un jeu qui n'est pas tout récent, puisque moi j'ai déjà la version de 2012, le jeu s'appelait encore Pandémie, et c'était déjà une réédition. Donc il est malheureusement, tristement d'actualité cette année, mais c'est pas un jeu qui surfe sur l'actualité de façon volontaire. Donc Pandémie, c'est un jeu coopératif pour 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties d'environ 45 minutes où vous allez incarner un scientifique qui va voyager dans le monde avec son équipe de scientifiques, puisque c'est coopératif, pour découvrir le remède de 4 maladies mortelles qui viennent embêter la population. Donc vous avez un plateau comme ceci, hop, donc représentant le monde, une carte du monde, avec clairement les couleurs des 4 maladies, comme vous pouvez voir. Donc ça va être votre plateau de jeu, et vous avez donc des petits cubes qui vont représenter les maladies. Donc votre but en tant que médecin, en tant que scientifique, en tant que chercheur, en tant que répartiteur, va être de découvrir les remèdes des 4 maladies qui sont en train de détruire l'humanité, tout en évitant la propagation trop importante de cette maladie, de ces 4 maladies. Les maladies, donc représentées par des petits cubes, en gros, dites-vous que s'il y en a trop sur le plateau, c'est pas bien, parce que ça vous fait perdre la partie. Vous pouvez perdre la partie de plusieurs façons. Donc si la maladie s'est tellement propagée que vous n'avez plus de cubes à disposition, s'il y a eu trop d'éclosions puisque la maladie s'est explosée à une vitesse phénoménale, ou si, faute de temps, vous n'avez pas réussi à découvrir les remèdes des 4 maladies avant la fin du tas de cartes joueurs. Les cartes joueurs, donc c'est ce tas-ci, donc ce sont des villes à la couleur des différentes maladies, donc bleu, rouge, jaune et noir. Donc ce qui est génial, c'est que ça vous fait réviser votre géographie. Vous avez sur les petites cartes, vous voyez, vous avez un reflet parce que moi je l'ai plastifié, donc vous avez le taux de population des différentes villes, etc. Vous avez son emplacement, donc ça vous fait en plus réviser la géographie, et ça c'est vraiment chouette. Donc ces cartes qui vont vous permettre de gagner la partie. Ces cartes qui vont être des cartes villes, vous avez aussi des cartes qui vont vous donner des petits pouvoirs qui vont vous servir à découvrir les maladies. Cumuler 5 cartes d'une même couleur permet de découvrir le remède contre la maladie. Donc vous allez devoir user de stratégie, discuter entre vous pour contrôler le plateau, que la maladie ne se développe pas trop, tout en essayant de cumuler des cartes d'une même couleur pour découvrir les remèdes. Voilà un petit peu le but du jeu. Mais les cartes, dans ces cartes-là, vous avez aussi des épidémies. C'est des vilaines cartes qui vont vous mettre la pression et accélérer la partie, puisqu'elles vont ajouter plein de cubes d'un coup et vous faire ressortir donc ces cartes-ci, des cartes propagation. Donc pareil, des mêmes couleurs, hein, au nom des différentes villes. Et contrairement aux cartes joueurs, elles, ce sont des cartes qui vont vous rajouter plein de cubes sur le plateau. Si vous devez rajouter un 4e cube, c'est le bazar, la maladie se propage un petit peu partout. Ben, imaginez-vous, dans le contexte actuel, que si vous avez un cluster à New York, ça explose. S'il y a un 4e cube qui doit se mettre, boum, ça explose dans les villes alentours. Donc voilà, c'est assez catastrophique. Donc vous allez devoir coopérer, vous, vos amis, les chercheurs, les scientifiques, pour découvrir les remèdes de ces maladies, soigner les gens, éviter que les maladies se propagent trop, sinon vous perdez la partie. Donc Pandémie, pour moi, très honnêtement, vous le voyez, hein, il est plastifié de toute façon pour vous dire à quel point voilà, je l'adore. Pandémie se trouve dans mon top 3 des jeux, de mes jeux préférés, tout confondu.
tous les jeux qui sont et chez Waka et qui ne sont pas chez Waka Waka, donc plein de jeux, et vous voyez, il fait partie de mes top 3. C'est un jeu vraiment coopératif, où on va discuter ensemble pour réfléchir à la meilleure façon de faire, qui peut être complètement chaotique, puisque vous avez prévu une stratégie, et là, boum, vous avez une épidémie qui sort et qui vous met des cubes, puis c'est pas du tout prévu, vous êtes obligé de vous envoler à l'autre bout du monde pour soigner cette maladie. Donc c'est un jeu vraiment d'actualité. Voilà, Pandémie, c'est un jeu que je vous recommande. Je voulais vraiment vous faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer mon coup de cœur, vous montrer un petit peu le principe du jeu. C'est un jeu où vous allez, j'en suis sûre, passer de super moments, parce que on a l'impression de sauver le monde. Alors imaginez... si vous y arrivez, c'est génial, c'est excellent. Et dites-vous bien aussi que si vous perdez les premières parties, c'est normal. C'est signe que le jeu est vraiment de super qualité. Voilà, donc Pandémie, vous pouvez le retrouver sur le catalogue Plateau Plus chez Waka Waka, que je peux vous envoyer par mail, ou que vous pouvez retrouver si vous défilez sur ma page Facebook, vous pourrez le retrouver puisque je l'ai publié à la date du 13 novembre. Donc Pandémie, qui se retrouve dans le catalogue Plateau Plus, mais je peux également vous l'envoyer par mail si vous le souhaitez. N'hésitez pas à me le demander en commentaire. Voilà, j'espère que ce jeu vous a plu, que cette première Waka découverte vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt pour un autre jeu en découverte express. Salut! Cette vidéo vous a plu et vous souhaitez découvrir d'autres jeux, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications et être informé dès que je présente une nouvelle vidéo, un Waka jeu, une Waka découverte ou toute autre vidéo que je publie sur ma page YouTube. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !